Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on passe à la suite des tours par téléphone. Donc, je vous en ai trouvé un autre qui est très bien aussi, qui ressemble beaucoup au premier, mais qui n'est pas tout à fait le même genre. Vous allez voir qu'il est super bien aussi. Donc, ce sera le numéro 2. Donc, c'est parti. Alors, là, ce qui est bien, c'est que le spectateur va faire 4 paquets aussi, pareil, mais il va choisir vraiment le nom qu'il veut. Donc, important, vous lui dites de prendre 52 cartes sans joker. Vous lui dites de mélanger tout ça au téléphone. Vous appelez votre ami. Vous dites vas-y mélange le jeu et dès que tu as fini tu vas faire 4 tas mais avec le même nombre de cartes donc n'en prends pas trop non plus parce que sinon il n'y aura pas assez de cartes donc imaginons il en prend 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 oui il ne vous dit pas hein, du tout hein. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 le jeu a été mélangé je le rappelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vous lui demandez qu'il prenne les cartes du dessus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, vous ne savez pas combien de cartes il y a dans chaque tas, d'accord? Mais il faut qu'il y ait le même nombre. Il met le jeu de côté, on n'en aura plus besoin. On va se servir que de ces 4 paquets. Ensuite, vous lui dites de choisir un paquet n'importe lequel et de couper et de regarder la carte en dessous. Donc là, en l'occurrence, le 7 de carreau, je la retourne pour l'exemple. Comme le tour numéro 1 que je vous ai présenté, vous le reposez sur n'importe quel paquet. Il reprend un des trois, les trois paquets qui restent et il va les mettre dessus dans n'importe quel ordre. Tac et tac. Voilà. Là, cette fois-ci, on ne prendra pas le jeu complet. Ça, on n'aura plus besoin. On va faire le tour qu'avec cette carte-là. Et pareil, vous allez lui dire de vous annoncer des cartes une à une en les retournant face visible. Et vous allez retrouver sa carte. Donc ça paraît vraiment impossible encore, comme le premier tour, c'est fou. Et donc là, l'astuce, le stratagème, c'est encore un schéma, mais vous allez voir différent de ce que je vous avais proposé. Donc voilà le schéma que vous aurez devant vous quand vous allez faire le tour au téléphone. Donc là, j'ai mis, vous avez vu, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on passe au 7 ici, on revient 8 ici, 9 ici, 10, 11, la flèche 12, 13, 14, 15, 16. D'accord? Donc ça, c'est le sens que vous allez devoir suivre pour mettre. Marquez vos cartes dans les cases. D'accord? Et donc, vous allez commencer à écrire la carte dans la première case, la deuxième, la troisième. Vous allez suivre les chiffres dans l'ordre indiqué, d'accord? De 1 à 16. Et vous n'allez pas écrire n'importe quelle carte. Quand il va vous dire, quand le spectateur va vous dire les cartes, vous allez écrire que la troisième carte, et non la première ni la deuxième. D'accord? Donc vous avez préparé un crayon et il commence à vous distribuer les cartes. Donc imaginons, vous lui dites, allez, vas-y, distribue les cartes tout doucement. Il vous dit 8 de trèfle, 4 de carreau, 10 de carreau. Là, vous notez 10 de carreau dans la case. Et vous prenez toujours la troisième. Il va vous dire celle-là, celle-là. Vous notez la troisième, dame de trèfle. Dame de trèfle. En suivant l'ordre. 1, 2. Vous notez le roi de pique en troisième. Vous allez voir, la méthode est vraiment géniale. 1, 2, 3. Vous notez le 7 de trèfle. 1, 2, 3. Vous notez l'as de carreau. Donc, il faut noter jusqu'à temps qu'ils disent toutes les cartes. D'accord? Au bout d'un moment, ça sera fini. Vous pourrez deviner la carte. Donc là, on va au 6. 1, 2, 3. Vous notez le 2 de cœur, la troisième carte, sur la case numéro 6. 2, 3, 10 de cœur. Vous allez sur la case numéro 7, c'est-à-dire à côté, attention. 10 de cœur. 1, 2, 3. Valet de cœur. Donc dites-lui de vous dire les cartes tout doucement, que vous ayez le temps quand même d'écrire. Là, vous allez sur la case 8. Après, on va aller sur la case 9. Toujours la troisième carte. 1, 2, 3. Le 2 de carreau. 1, 2, 3, le 4 de trèfle que vous allez mettre à la dixième case. 4 de trèfle. 1, 2, 3. Là, on arrive à la carte sélectionnée du spectateur, mais vous ne le savez pas de toute façon. Vous notez le 7 de carreau. Donc à la onzième 7 de carreau. Après, on va aller à la douzième case. 1, 2, 3, 5 de trèfle. On arrive au bout. 1, 2, 3, roi de trèfle. 1, 2, 3, dame de pique. Et là, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas compter la troisième. Il va vous dire celle-là, celle-là. Mais vous ne noterez pas la troisième puisqu'il n'y en a pas.
Et vous allez voir comment c'est génial, comment retrouver la carte tout simplement. Et bien c'est le tableau qui fait tout pour vous. Regardez bien comment vous avez trouvé la carte. Vous allez regarder la dernière carte que vous avez notée sur votre schéma. Donc la dernière carte que j'ai notée, c'est la dame de pique. D'accord? Et tout simplement, pour retrouver la carte du spectateur, vous allez regarder la case qui est juste au-dessus de la dernière carte, de la dernière case notée. Et donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Madame de Pique notée? Le 7 de carreau. Et donc vous savez que le spectateur a choisi le 7 de carreau. C'est un truc de fou, franchement. J'avais jamais vu ça. C'est un truc de dingue quand même, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez aimer. Donc voilà, vous respectez bien, vous mettez la troisième carte à chaque fois dans l'ordre indiqué. Et au bout d'un moment, vous pourrez peut-être vous arrêter ici, par exemple. Et ben ça sera la carte du dessus. On ne peut pas s'arrêter ici, c'est impossible, ni ici, c'est impossible. D'accord? Si on s'arrête ici, ce sera la carte du dessus à chaque fois. Vous prenez juste la carte qui est au-dessus de la dernière carte écrite, et ça vous donnera la carte du spectateur. Donc là, vous voyez, j'ai marqué Dame de pique, et au-dessus, j'ai le 7 de carreau. Donc je sais que le spectateur a choisi le 7 de carreau. Pourtant, vous ne saviez rien du tout, vous étiez au téléphone. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, moi j'adore. Donc c'était comment faire un tour de magie par téléphone, le numéro 2. Donc là, les deux que je vous ai proposés, franchement, c'est du très bon, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième tour. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne de magie. Bye.